Hey, <laughs> how you doing? <laughs> <laughs> English, motherfucker, do you speak it? King Kong ain't got shit on me. The Lannisters and the records. Girl, you can't get no infection in your booty hole. It's a booty hole. Frankly, my dear, I don't give a damn. All righty then. Oh, what a day. What a lovely day. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de votre podcast Acrociné. ciné On est là aujourd'hui pour aimer, détester, décrypter et s'amuser avec les méchants au cinéma Vous savez ce qu'on dit, quand on est jeune, on admire les héros Et quand on est grand, on comprend les méchants Mais aussi on va discuter, sans spoiler cette fois-ci, du dernier film de Todd Phillips, Joker Avec moi aujourd'hui, Cruelle à la femme, bonsoir Bonsoir Et Seydina, le caïd Bonsoir Bonsoir Seydina mais juste avant de plonger, nous allons écouter la chronique actualité de Femmes. Alors, euh, on va parler aujourd'hui, euh, dans la chronique actualité des journées cinématographiques de Carthage, festival de cinéma euh, africain qui se passe en Tunisie. C'était la 30e édition cette année. Et c'est la première fois qu'il y avait autant de femmes réalisatrices euh, qui étaient en compétition. Et surtout, c'est la première fois que trois femmes remportent les trois tanites euh, de la compétition euh, long métrage de fiction. Donc, euh, le Tanit d'or va à Inde Boujma pour euh, Noura Rev. Inde Boujma qui est euh, réalisatrice tunisienne. Le Tanit d'argent va à Mati Diop pour Atlantique, son film dont on avait parlé la dernière fois. Et le Tanit, tanit de bronze va à Saad Hamin, qui est de l'Arabie Saoudite, réalisatrice aussi, et qui a fait euh, Scale. On a aussi, euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'autres prix. Et aussi le Tanit de bronze pour le court-métrage documentaire qui revient à Mamouri Choubou, qui est une Sénégalaise expatriée, je crois, à Lyon. Et qui a réalisé donc euh, un court métrage documentaire qui s'appelle 5 étoiles. Euh, toujours euh, donc euh, en novembre, on a la sortie euh, euh, J'accuse, film de Roman Polanski avec euh, Jean Dujardin à l'affiche. On a aussi euh, Astérix et Obélix le cinquième film inspiré de l'univers de la BD euh, Astérix et Obélix l'Empire du milieu avec euh, à la réalisation et aussi euh, comme acteur en tête d'affiche Guillaume Canet et Gilles Lelouch qui fera Obélix. Et comme autre info série, on a donc The Long Night, le spin-off de Game of Thrones qui a été annulé, et House of, House of Dragon, pardon, qui est lui par contre confirmé, centré sur la famille Targaryen et qui va raconter des histoires qui se sont passées 300 ans avant les événements qu'on connaît de Game of Thrones. Donc voilà, c'était la petite rubrique actualité. Merci Fama. Sans plus tarder, nous allons commencer avec Joker, le film de Todd Phillips. Alors Céline, de quoi parle le Joker? Okay. Donc euh, le Joker, le Joker, c'est grosso modo l'histoire de Arthur Fleck. Je sais pas comment le définir. Un, un, euh, c'est un comédien de rue qui euh, se déguise en clown, mais qui est aussi euh, atteint d'une maladie. Genre il a la maladie du rire. Et le, le film suit un peu la manière dont il aborde euh, cette maladie, en fait. Ses rapports avec sa mère, euh, comment il est traité par euh, déjà dans son travail, dans ses rapports avec les autres. Et petit à petit une, une légère mais graduelle descente aux enfers jusqu'à sa transformation dans un personnage qui a donné son titre au film donc le Joker. Donc vraiment c'est un film qui raconte un peu les, les débuts d'un personnage emblématique du cinéma euh, fait enfin surtout du, du monde des comics aussi du mais aussi du cinéma donc le Joker à travers donc euh, Arthur Fleck dont, dont nous découvrons donc euh, les péripéties donc jusqu'à cette euh, je sais pas trop comment <laughs> Ouais, je pense que tu as bien résumé le film. Donc 800 millions de recettes au box-office mondial, lauréat du Lion d'Or au dernier festival de Venise, acclamé par une large majorité de la critique, qui voit un triomphe de la culture comics auprès des hauts sphères institutionnels, Joker semble cocher d'avance toutes les cases d'une œuvre importante. Qu'en pensez-vous, femme alors euh, moi je l'ai vu ce film, mais pas au cinéma, donc je pense que j'ai perdu une petite, un petit quelque chose euh, pour apprécier le film, voilà. Mais euh, je, malgré tout, euh, malgré le fait que je l'ai vu juste sur petit écran chez moi, j'ai vraiment adoré. Je trouve que techniquement il est, il est magnifique, les couleurs sont magnifiques, la colorimétrie, l'étalonnage. Ensuite euh, pareil, Joachim Phoenix, je le trouve magistral. Euh, la mise en scène, tout, tout c'est très beau, c'est très poétique, c'était très joli. Euh, la seule, euh, la seule petite critique que j'ai, c'est que j'aurais bien aimé que ça démarre un peu plus tôt, qu'il y ait un peu plus de la scène de fin de toute de la toute fin. Je vais pas spoiler, mais j'aurais aimé qu'elle se passe peut-être 20 minutes avant la fin du film et que du coup on voit un petit peu comment qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec voilà ce ce, ce nouveau personnage, qu'est-ce qu'il va en faire maintenant. Parce Donc, que vous voulez plus du Joker. Et voilà, peu, voilà peut-être un peu plus mais après je le trouve voilà euh, génial même dans voilà les thèmes qu'il aborde le parallèle avec euh, aujourd'hui même si ça se passe pas euh, aujourd'hui euh, le parallèle avec l'injustice voilà, sociale, les politiques budgétaires qui sont toujours en défaveur des plus pauvres, euh, les, les handicapés mentaux qui, dans les grandes villes comme ça, sont souvent mal pris en charge, euh, mmh. voilà, et, et qui peut conduire à des drames, même si ce ne serait pas forcément un drame comme celui, voilà, à la Batman, on n'est pas à Gotham, mais je pense qu'il y a des gens qui vivent ce genre de, de, mmh. de choses dans plein de, plein de villes du monde, quoi. Donc je trouve, ouais, il, est, il va très bien avec notre époque n'est pas le film qui m'a le plus marqué de l'année, je pense, euh, mais c'est un bon film. et voilà, j'ai bien aimé, j'ai apprécié le moment. D'accord. C'est Tant ce film et le, le pari était de taille parce qu'il s'agit d'un personnage, euh, de, de, du personnage, l'un des personnages les plus emblématiques de, de l'histoire des, des comics Marvel et DC confondus. Et le film en question pour moi était plutôt une réussite, je dirais, parce que Ça. ce n'est vraiment pas ce à quoi on s'attendait. Euh, mais bon, contrairement à enfin, moi je ne regrette pas la fin parce qu'il ne s'agissait vraiment pas de montrer le Joker ou ce qu'il allait en faire parce que nous, nous, on connaissait déjà le Joker ou on connaissait les Jokers il y en a tellement, il y en a au moins une, on peut dire au moins une vingtaine selon les adaptations mais si la grande euh, interrogation concernant le Joker c'est comment il en est arrivé là sachant que d'une adaptation à l'autre il y avait différentes origines à son personnage, comment ce Joker-là, en tout cas le Joker de Phoenix, en est arrivé à être ce personnage grimé qui, qui ride pour un tout et pour un rien, euh, de manière macabre. Et je trouve que l'approche qu'ils ont faite plutôt, était plutôt réussie, surtout qu'on ne se rend pas compte très tôt du de, de type de personnage euh, à qui on a affaire, jusqu'au beau milieu du film. Et, en plus, et là, on se rend compte que vraiment, peut-être tout ce qu'on a vu n'est pas vraiment... Euh, ce qu'on croyait être et je trouve que là le réalisateur a plutôt bien réussi cette, cette approche et qu'il qu qu est parvenu à, à vraiment nous mener carrément en bateau euh, dans la tête euh, de, de Arthur Fleck et encore une fois magistralement bien joué par euh, Joaquin Phoenix voilà moi également j'ai trouvé que c'était un bon film qui a le mérite de réactualiser une certaine idée de cinéma dans le genre voilà parce que c'est la première fois qu'on qu voit un film tiré des comics qui est autant politique euh, on a vu Avengers 2, qui avait soulevé les répercussions des actes des super-héros euh, dans, dans la société, voilà, mais qui n'était pas allé plus loin. C'était juste en surface en fait, voilà. Alors que Joker plonge carrément dedans. Qu'est-ce qu'on nous dit On nous raconte l'histoire d'un gars, d'un malade mental qui a été délaissé par la société, euh, qui n'a plus accès aux soins, qui, a, qui est tabassé de gauche à droite et qui est moqué par toute la société, voilà, et qui, une fois qu'il en a une marque, il décide de se venger. Voilà, donc pour moi ça c'est audacieux, c'est euh, courageux, pour un film grand public, mm -hmm. voilà, et rien que pour ça c'est une œuvre importante. Alors euh, on est tenté de se demander où classe-t-on le Joker parmi les différentes versions qu'on a eues au cinéma, voilà, non seulement en termes de performance d'acteur, mais également en termes de développement du personnage. Moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les comics. Bon, après, bien sûr, le Joker, c'est un personnage euh, emblématique de, de l'univers de Batman, c'est le, le Nemesis de Batman. Euh, donc, je le connais. Après, euh, l'autre le, le, Joker que voilà que j'ai que retenu moi personnellement, c'est celui de Heath Ledger. Euh, le film était, était vraiment très bien. Sa performance, était, on l'a retenu en tout cas avec beaucoup d'impro, beaucoup de dons de, de, don de soi-même. Euh, et après voilà j'ai pas j'ai pas d'autres jokers dans ma tête Jack Nicholson Jack Nicholson et après comment il s'appelle Jared Leto voilà j'ai pas j'en ai pas un souvenir extraordinaire mais j'en ai pas un souvenir mauvais non plus mais je l'avais voilà moins remarqué en tout cas oui le pauvre malheureusement Céline Bon, euh, donc déjà quand on parle d'adaptation de joker au cinéma, il y en a cinq. donc en partant de George Romero dans les années 60, pour un joker un peu plus kitsch, puis Jack Nicholson 89 pour le premier Batman, un euh, joker un peu plus marrant mais avec Jack Nicholson qui le portait bien, Ledger bien évidemment qui a carrément bluffé son monde, Jared Lotto qui a tant bien que mal essayé de faire ce qu'il pouvait avec ce qu'on lui a donné et enfin Joaquin Phoenix. Est-ce qu'on place Joaquin Phoenix ben Moi, je dirais que je le mettrais en deuxième position derrière F. Ledger. Parce que là encore, ce, le, le film pour moi n'est pas vraiment un film sur le Joker, c'est un film sur Arthur Fleck. Euh, on nous raconte comment il, euh, il, comment il est arrivé, comment il est né. Mais ce euh, n'est pas un film sur le Joker, en fait. Ce n'est pas vraiment, comme, euh, pas vraiment comme, euh, la même prestation que euh, F. Ledger a fourni. C'est deux versants d'une même pièce. Et, et quant au développement du personnage, Joaquin Phoenix a apporté sa touche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de mieux ou de mauvais. En fait, non. C'est un personnage de Joker qui est tellement complexe que cinq acteurs sur les 50 dernières années sont parvenus à représenter une version qui est complétée par les autres. Que ce soit Romero, Nicholson, euh, euh, Heath Ledger et même Jared Leto qui n'a pas eu de temps de, de présence à l'écran mais quand même fait... Et pour le peu, il a, il a incarné un Joker un peu psychotique, sanguinaire et tout. Et donc, euh, Phoenix, les cinq, je dirais même les six, ont complété et ont fourni une version du, du Joker qui finalement euh, le résume bien. Envie dire. Donc, pour moi, c'est vraiment le. Il est dans le top 3, euh, il est dans le top 2 même derrière euh, Ledger. Bah, pareil, j'ai apprécié beaucoup euh, la performance de Joaquin Phoenix. Et je pense qu'il aura son Oscar en février prochain. <laughs> je croise les doigts du mois. Voilà. Et ensuite, j'ai vu certains fans du comics critiquer euh, Philippe, euh, Todd Phillips en disant, en lui reprochant de créer un nouveau Joker. Voilà. Parce qu'à aucun moment dans le film, on nous montre euh, son savoir-faire ou son expertise en chimie, en chimie. Et également, à aucun moment, on nous montre en fait le génie criminel qu'il va devenir. Voilà. Donc, il le reprochait un peu de créer un autre Joker différent du, du Joker qu'on connaît tous. Alors que pour moi, plusieurs backgrounds, plusieurs lectures du personnage sont possibles. N'oublions pas que Joker, c'est le personnage qui, à chaque fois qu'il raconte euh, les provenances de ses, de ses cicatrices, donne une histoire différente. Et tous les psychiatres qui l'ont consulté ont abouti à des euh, troubles mentaux différents. Tu vois? Donc les possibilités pour, avec ce personnage sont infinies. Voilà. Donc, euh, moi, je trouve que la lecture de, que Thor Phillips a fait du personnage est assez intéressante. Et notamment de cette dualité entre Joker et Batman. Parce que, toujours dans les comics et même dans les livres, on nous a montré que c'était le Batman qui avait créé Joker. C'est parce qu'il y a un héros comme Batman. Que Fleck sentait le besoin de devenir le Joker pour créer le chaos, bien sûr, mais également pour attirer son attention. Et dans le film, on nous montre que, et si c'était le Joker qui avait créé Batman mm -hmm. Voilà, dans une scène que je ne veux pas spoiler, mais euh, des émotions créées par euh, Joker et qui pourront voilà, aboutir à l'une des euh, tragédies euh, bon, liées à la famille de Batman. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Sinon également il y a une critique qui a été faite du film, c'est de mettre en avant des comportements toxiques de la société et de les approuver sous couvert d'injustice. Est-ce que vous êtes d'accord? Femme? Alors euh, je moi, moi cette critique je la je la je, pas que j'y crois pas mais je ne pense pas que en fait le, le Joker va donner des envies de de révolution aux gens mmh. si les gens euh, se déguise en Joker ou voilà utilise cette image pour revendiquer pendant les manifestations on y en a vu à, à Beyrouth on en a vu un petit peu partout mmh. euh, c'est pas le Joker qui a fait ça dans, dans, par exemple, dans les pays où il n'y a, a, a pas de problème, au Danemark, en Suède, tout ça, ils ne font pas de manifestations parce qu'ils ont vu le Joker. Mm -hmm. Les gens font ces manifestations et se révoltent parce qu'il y a une injustice. Mm -hmm. Et le Joker, peut-être, oui, va leur donner des idées. Où, euh, voilà. Mais c'est n'est pas assez profond, en tout cas, je pense, pour pouvoir être la raison dans l'histoire, en tout cas dans 100 ans où on va dire, à cause du Joker, les gens ont... Euh, non, les gens, ils, ils font la révolution parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont mm -hmm. pas voilà, de sécurité, etc. etc. Mais, euh, mais je, je, je comprends ce que les gens veulent dire. Mais je ne suis pas tellement d'accord euh, avec ce, 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 ah, cette critique-là. Critique ouais. Je ne suis pas tellement ça. D'accord. Célina. Pareil, pour moi, c'est une critique qui, qui, qui est infondée. Un joker qui, dans la, la manière euh, dont elle a été représentée au cinéma le, sous couvert d'injustice, là, je pourrais citer Fight Club, je pourrais citer V pour Vendetta. Je pense même que Vépo Vendetta a généré un mouvement d'une plus grande ampleur que, que ce joker-là. Et là, j'en passe. Dans, il y a de Deutéry Il y a beaucoup de films sur les 50 dernières années où, avec des sujets subversifs dont on aurait pu penser ou dont on a pensé à une époque qu'elles qu euh, indiquaient ou bien qu'elles influençaient le public. Non, le cinéma... Et, et, euh, et la société sont, sont, sont interdépendants. Il est vrai que le cinéma euh, influe sur la société, mais il est aussi vrai que la société influe sur le cinéma. Et en l'espèce, le il s'avère être qu'aujourd'hui, le chaos qu'il qu professe, le, le, le renouveau, en tout cas le, le chamboulement de ce qui est là pour créer quelque chose de nouveau, euh, qu'il professe, résonne avec l'état général du monde aujourd'hui, où il y a une méfiance générale envers les, les, les populations, enfin envers les gouvernants, euh, envers Big Brother, il y, y a un fantasme de complot qui est partagé par beaucoup de jeunes et même de moins jeunes. Donc le Joker aujourd'hui, il symbolise ce, ce, cette mentalité-là. Donc non, c'est critique pour moi, elle est, elle est juste là, elle est opportuniste, mais est, elle n'est carrément pas fondée. Elle n'est carrément pas fondée, en fait. Voilà. Mm -hmm. Je partage votre position également. Je pense que le film euh, n'approuve pas... La violence euh, dont fait montre Arthur Fleck, mais plutôt l'explique. Voilà, Elle nous montre que cette violence elle prend racine dans les troubles mentaux de, euh, du joker. Mm -hmm. C'est également, euh, la société a une part de responsabilité. Voilà, C'est une, une responsabilité partagée. La même société qui était censée la protéger est également responsable de ce qu'il est devenu. Euh... Voilà. D'ailleurs, ce qui me pousse à me demander, si le film n'était pas dans l'univers du DC Comics, est-ce qu'il aurait aussi bien marché Est-ce que ça aurait changé la perception que les gens ont eue du film Femme, hein? Euh, ben, moi personnellement, comme j'ai dit, je ne suis pas grande fan de films de, de DC Marvel, de films de super-héros de manière générale. Donc euh, je pense que le fait qu'il qu soit ou pas dans, dans l'univers, je ne sais pas si, si ça change énormément de choses. Perso moi personnellement, j'avais envie de le regarder en dehors du fait qu'il soit euh, voilà, dans, dans une franchise ou euh, dans un univers. Euh, alors que certains films, d'autres films qui sont sortis cette année ou l'année dernière, je n'ai pas spécialement envie de les regarder. Alors que pour ça j'ai reçu la communication, j'ai reçu la publicité, mais je n'ai pas spécialement envie de regarder parce que je sais que c'est un film de super-héros. Mais je pense que le Joker est tellement emblématique comme Batman, c'est plus euh, tout le monde connaît Batman, mmh. tout le monde connaît le Joker, et du coup, c'est plus, c'est plus les fans de de DC ou de Marvel vont aller regarder les films de DC ou de Marvel. C'est un personnage qui fait partie de la pop culture que tout le mmh. monde connaît et qui est beaucoup qui, qui prend voilà qui prend ses fans qui a une fanbase beaucoup 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 plus large mm -hmm. que juste voilà film de super héros ou pas donc, surtout que là c'est plus super héros c'est super méchant donc voilà c'est peut-être ouais. ça attire un petit peu plus l'attention aussi et puis ah, oui. voilà tout le battage médiatique qu'il y a aussi autour euh, mm -hmm. fait que voilà beaucoup de gens vont, vont le regarder je pense et l'ont regardé déjà mm -hmm. déjà un très bon début Céline euh, pareil pour pour que euh, pour Fama, c'est pas la présence ou non dans l'univers des Marvel n'influe pas sur. ou n'aurait pas influé sur la qualité du film ou son succès, parce que d'un, il, il est bien réalisé, de deux, c'est Joaquin Phoenix. C'est quelqu'un qui, qui depuis, depuis une dizaine d'années, s'est un peu imposé comme un ovni du milieu. C'est... Voilà, à lui tout seul euh, il, constitue, il constitue déjà un intérêt pour le film donc moi je, je pense que non, ça n'a rien à voir ça, ça n'avait ça, ça pas d'influence, il s'avère qu'effectivement c'est un film DC avec un personnage DC mais l'histoire en elle-même euh, voilà, c'est une histoire qui, peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant d'expositions bien sûr hein. ce serait un autre univers mais ça aurait quand même été euh, <laughs> publicité par les critiques de la même façon bon moi je ne suis pas d'accord parce que je me dis si, si le film n'était pas de l'univers de DC il n'aurait pas eu ce même succès parce que ce succès il le doit grandement à, à la popularité du personnage. Franchement, si c'était pas le Joker, le film serait appelé Arthur Fleck ou les malheurs d'Arthur. Tu vois, personne ne serait allé le voir. Voilà quoi. Et également même en termes de réception, euh, je me dis, par exemple, si le message politique du film a autant marché, c'est parce que c'est un film de comics. Tu vois, euh, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans les films de comics. Donc c'est pour cela ça, ça a été autant résonnant et que ça a eu autant d'impact dans le public du moins je pense non on peut, on peut penser ça aussi c'est vrai que si c'était pas le Nemesis de batman peut-être que bah, oui ça aurait ça aurait moins intéressé c'est euh, vrai dans ce sens là dans ce sens là mais oui euh, c'est ouais c'est possible, pas, ouais, possible. Euh, alors bon la, la question qu'on se pose tous est- ce que le joker va devenir une marque une marque générationnelle comme l'ont été d'autres films avant comme taxi driver ou euh, bien d'autres films Femme. Ben moi, euh, comme disait tout à l'heure euh, Cédina, ça m'a plus fait penser à euh, un V pour Vendetta, euh, ce genre de film euh, qui peut devenir culte ou un Fight Club, euh, pareil, qui critiquait un petit peu la société. Euh, je ne sais pas si ça va devenir aussi euh, culte que ça, mais dans le départ, en tout cas, c'est peut-être peut parti pour, c'est peut-être parti pour. Mais le problème avec Vécom Vendetta, c'était qu'à l'époque, ça paraissait tellement cool. Mais là, maintenant, euh, j'ai l'impression que c'est plus. Euh, comment dirais-je C'est plus. Intellectuel. Euh, pas intellectuel, mais plutôt. Plus. Euh, c'est quoi le mot encore euh... Plus naïf, quoi. C'est plus, ouais. qu oui, ouais. plus naïf qu'autre chose. De nos jours. Oui. J'ai l'impression que c'est plus naïf qu'autre chose. Non, moi, je trouve non. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de profondeur, euh, ce, ce Joker-là, justement. Hmm c'est pas trop naïf c'est pas nié ils en font pas trop ils en font pas pas assez je trouvais que c'était très juste et voilà B pour Vendetta c'était une autre époque et on fait des films d'une autre manière aujourd'hui on dénonce d'une autre manière donc mm -hmm. euh, non c'est possible qu'ils deviennent un film culte aussi hein, comme comme d'autres films avant mm -hmm. je pense Céline euh, peut-être un peu tôt un peu trop tôt pour le dire mais le seul fait que des des, des, protestants, des protestants des manifestants un peu partout dans le monde se griment en Joker en Joker de Hattie pour symboliser euh, une espèce de contre-courant à la société actuelle, montre qu'il est déjà rentré au moins dans la pop culture. Après, est-ce que ce sera au-delà, est-ce que ce sera plus, plus qu'un film de, justement d'un courant d'époque ou d'un courant culturel comme ça Ça, Seul l'avenir nous le dira. Mais euh, oui, c'est sûr que ça a marqué, en tout cas, ça a marqué 2019. Et on en saura un peu plus sur euh, les impacts sur la société dans les. Dans les mois et dans les années à venir. D'accord. Donc, euh, seul l'avenir nous le dira à coup sûr. Donc, Joker, ce personnage iconique, qui existe depuis plus de 110 ans, va nous servir de prétexte pour parler des plus grands méchants au cinéma. L'occasion est trop belle pour ne pas sauter dessus. Alors, qu'est-ce qui fait un bon méchant d'après vous, Sedina euh, Franchement, c'est subjectif. Hein. Qu'est-ce qui fait un bon méchant Je dirais que quand on, quand on le voit, on le sait. Je ne peux pas dire euh, j'ai pas de Il au robot. Un bon méchant, c'est. C'est tout à la fois. Vraiment, pour moi, c'était difficile à aborder. Je peux te des exemples, mais là, je ne saurais pas dire. Est-ce que c'est le physique Est-ce que c'est le dialogue Est-ce que c'est l'histoire ou le comportement C'est très subjectif. Un bon méchant, moi, c'est au feeling. C'est au ressenti général. C'est un ensemble de facteurs aussi bien positifs que négatifs. Donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est quelque chose qui c'est indéfinissable, c'est vraiment, vraiment au, au feeling du, du personnage. Femme hein? Alors, euh, moi, pour euh, un bon méchant, pour que j'aime un méchant, faut il faut qu'il soit euh, mais forcément pas, pas, pas trop bête. Pas trop, euh, il ne faut pas tout de suite qu'on sente que ah, c'est le méchant, il est bête et il va perdre. Il faut qu'il soit challengeant, qu'il mmh. soit voilà, presque à la hauteur du héros. Mais dans la mauvaise voie, voilà, mmh. donc qu'il soit dans, du côté obscur, euh, alors que le gentil est du côté, voilà, de, du bon. Euh, mais il faut qu'on le respecte aussi, voilà, mmh. qu'on qu ait, euh, qu ait peur de lui en se disant, mais il peut être plus malin que lui et c'est possible qu'il puisse gagner le héros, même si on sait, dans 99% des cas, bah, c'est le héros qui gagne. Mais voilà, qu'on qu puisse y croire. Mmh. Et Qu'il ne soit pas en faire-valoir du héros, quoi. Voilà. Et qu'il soit aussi, euh, je pense qu'il est d'une certaine manière raison. Même si, c'est-à-dire que, que, par exemple, la cause pour laquelle il se bat soit bonne, mais que la manière dont il veut régler le problème soit mauvaise. Et du coup, on est mis d'accord avec lui, mais bon, il ne faut pas le faire de cette manière-là. Et du coup, c'est moins manichéen, quoi. Il n'y a pas de blanc et de noir, juste c'est, voilà, plus euh, dans les nuances. Okay. Moi, moi, je crois bien. deviner les méchants qui plaisent à Fama. Hein? Ah, okay. <laughs> Alors, pour moi, le méchant, pour qu'il y ait un bon méchant, il faudrait qu'il excelle dans son domaine, mm -hmm. mais également qu'il ait une certaine emprise psychologique euh, sur le héros. Mm -hmm. voilà. Pour moi, ça, c'est ça qui fait un bon méchant. Alors, euh, de Dark Vador à Thanos, de Shere Khan à Hans Landa, ou encore de T800 à l'iceberg de Titanic, quel est le meilleur méchant au cinéma, d'après vous Serena. C'est cool. la question du siècle, là, franchement. Il n'y en a pas un. Je pense que okay, l'Américain... C'est film... préféré. Oui, mais j'en ai pas un préféré. C'est vraiment... Là je cite comme ça, je veux dire Hannibal lecteur. C'est peut-être celui qui m'a le, le plus euh, impressionné, le plus qui m'a le plus marqué. Parce qu'un cannibale qui, qui parvient quand même, euh, qui n'en a pas l'air, euh, un cannibale d'un euh, tel niveau intellectuel, d'une telle emprise sur euh, les personnes qui, avec qui il interagit et sur son entourage. Oui, c'est le premier nom qui, qui me vient à l'esprit. Mais euh, c'est juste un. Un, un Et en deux en deux. En deux, en deux, en deux, en deux. Ouais, pourquoi je ne vais pas parler de. Je vais parler de Dagvador Vador. De Dag -Vador, le premier Dagvador Vador. Parce que. Indéfinissable, un personnage habillé en noir. Euh... Euh, euh, c'est une... même pas une cruauté, mais c'est une froideur. Je me rappelle du premier Star Wars que j'ai regardé. C'est. Il a lancé mon goût pour la science-fiction, mais le Dagbo était impressionnant, effrayant, une voix monocorde, métallique, euh, sa capacité à étrangler à distance. Voilà. Comme je le disais, c'est vraiment subjectif. Moi, c'est vraiment le méchant qui m'a... Euh, à part le lecteur, c'est celui qui m'a le plus impressionné, qui impressionné. dans mon enfance. De là, de, première, de mémoire, c'est le premier qui vient à mon esprit. Voilà. Donc, mm -hmm. c'est Hannibal Lecteur et Dag Vador. D'accord. On valide fort Hannibal Lecter, mais pas Dark Vador. De toute façon, on s'est décralisé un peu partout. On les voit dans les jouets de Disney. On les voit mmh. un peu partout. C'est chiant. Femme. Euh, ben, moi, je suis bien embêtée parce que ben, mon, mon numéro 1, c'était Dark Vador, pareil. Euh, et justement, dans Dark Vador, justement, c'est bien ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est... Euh euh, moi, j'ai commencé quand j'ai regardé Star Wars, j'ai commencé par les, les plus récents. Donc, j'ai vu voilà Anakin petit, les courses, tout ça, et j'étais à fond euh, voilà sur euh, Anakin hyper. Skywalker. Et ensuite, je vois que il devient Dark Vador, voilà en regardant euh, les plus vieux. Mm -hmm. et, euh, et justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, de j'ai compris son chemin et à la base j'étais avec lui puisque je l'ai regardé dans cet ordre-là. Mm -hmm. Et du coup, je voilà, c'est le méchant, mais je comprends le comprends et je l'aime bien et à la base, j'étais de son côté, donc voilà, c'est un petit peu... voilà la surprenante une... et une méchante. <laughs> Mais sinon, voilà, en dehors de ça, il y a moi les méchants qui m'ont beaucoup impressionné et beaucoup marqué, c'est tous les méchants de Disney que je trouve toujours géniaux et euh, donc mes préférés, c'est à d'Enfer et, euh, et Shere Khan. J'aime bien Shere Khan ouais. et euh, voilà, c'était petit clin d'œil au Disney. Mm -hmm. Il a beaucoup de charisme, cher Khan. Mm -hmm. <laughs> Alors, moi, bon, je vais faire simple. Hannibal Lecter, c'est mm -hmm. tout. Voilà, le personnage est iconique. Il est grand, il est euh, élégant, charismatique, il est fort mentalement, physiquement. Il a toujours trois longues d'avance sur mm -hmm. tout le monde. Mm -hmm. Voilà, il sait ce qu'il veut et euh, c'est sur le gâteau, c'est un cannibale. Mm -hmm. Franchement, qui dit mieux mm -hmm. vrai. Voilà. Alors, je pense que on est arrivé à la fin de cet épisode. Merci, Cédina. Merci, merci Fama. À, merci à vous. Allez, donc, on se dit à bientôt. À bientôt.